Yo les gens, on est en live sur Gran Turismo 7 pour la manche 3 de la Manufacturer's Cup. Une course qui va avoir lieu à 18h, il est actuellement 17h47. On lance un tout petit peu tard, un petit peu occupé et en vrai j'ai pas trop vu l'heure passer. Première chose déjà, je voulais m'excuser parce que bah, j'ai pas fait la manche 2 de la Nations Cup. J'ai été occupé, je pensais qu'il y avait des courses le soir, il n'y en avait plus donc tant pis. C'est pas très très grave bien sûr, mais voilà. En tout cas, là, ce soir, c'est manche 3 de la Manufacturer's Cup. Nous serons sur le circuit d'Autopolis. 16 tours, 16 voitures, départ lancé. x2, les 165 les pneus. Sachant qu'il faut des pneus durs et des pneus moyens. Donc, on est obligatoirement obligé de faire un arrêt au stand. Il y aura 5 minutes de qualif. Ça sera un peu compliqué. Je vous cache pas que je vais un peu galérer. J'ai beaucoup de mal sur ce circuit. J'ai toujours eu du mal sur ce circuit. J'ai un temps. J'entends vraiment pas ouf. Et encore, j'ai réussi à le sortir, je sais pas trop comment. En tout cas, on est parti. Je suis désolé pour ma voix, toujours. Et je suis désolé si jamais je me mets un peu à tousser. C'est pas encore trop ça. Je suis pas encore méga au point. Paramètres de la voiture, on a bien les pneus moyens. On va pouvoir rouler un petit peu pour s'entraîner avant les qualifs. Et croyez-moi, il y en a besoin. Je suis pas sûr de vraiment m'améliorer, hein, quoi qu'il arrive. Ça va être une soirée particulière. Et je suis pas certain qu'on la fasse plusieurs fois la course. Pour tout vous dire, parce que je suis pas certain que, peu importe mon résultat, je pourrais faire mieux. Là, j'ai oublié de préciser qu'on est avec la BRZ GT300, bien évidemment. Je suis sous contrat avec Subaru. Et que la BRZ est quand même meilleure que la WRX. En tout cas, pour ce circuit, c'est une évidence. Hein. C'est pas le cas pour tous les circuits, mais sur celui-là, il n'y a pas photo. La question ne se pose même pas. Vraiment ce circuit je galère de ouf. Hein. Je le trouve très compliqué. Hein. J'ai aucune trajectoire fluide en fait. J'ai quand même amélioré mon meilleur tour dès le premier tour. Donc quoi, il y a quand même un peu de marge. Je me suis un peu raté. Ouais, demain on reprend le rythme normal de live. Hein. Live à 14h. Sauf si, hein, si j'ai un imprévu. Mais normalement ça devrait être bon. Par contre, on avait prévu de partir sur Biomutant. Je sais pas si on partira sur Biomutant. Que ça a été un peu chamboulé ces derniers jours. On a presque terminé Ghost of Tsushima. Faut qu'on termine Biomutant et Ghost of Tsushima avant la fin du mois de toute manière.
On a un peu de marge, on est que le 11 janvier en vrai donc. Je pense que ça devrait le faire. Je vais un poil améliorer, mais vraiment pas de beaucoup. Et hier, on a commencé le Dakar 2020 aussi, hein, sur Dakar des Aralies. Record tourne sur les deux jeux Pokémon. On n'est pas prêt de s'ennuyer. Je réfléchis toujours à lancer une compétition sur GT7 aussi. Mais le problème c'est que j'ai à peu près tout de près, mais il faut trouver du monde quoi. Et comme j'ai aucun poids sur Twitch. J'attire pas les gens quoi. J'ai mon truc qui bug. Et bientôt on va avoir la nouvelle config de PC ça aussi. Je me suis commandé un ordi là cet après-midi. Je vais me faire monter un ordinateur avec trois écrans. Je veux dire on va être bien. Ça a changé la vie. Ça va être galère la course. Je sais même pas combien de temps durent les pneus en vrai. Je vais partir en pneu médium. Et je vais pit dès qu'ils seront usés. Pour mettre des durs. Je connais pas la strat. Enfin, l'idéal c'est de faire le moins de tours possible en dur. J'ai un peu raté ce virage. Voilà, j'ai fait un tour plutôt correct. Si on pouvait faire tous les tours comme ça, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Je suis trop irrégulier sur le circuit. Eh merde, j'ai trop mis les gaz. C'est chiant. C'est chiant.
Oh, déjà dès la ligne droite, je suis moins rapide. Eh ben, ça va être un calvaire, hein, les qualifs et tout, je peux dire, ça va être dur. J'ai aucun rythme. J'ai freiné trop tard. Let's go. On n'est pas rendu. Ok, vas-y. J'ai bien les pneus moyens, c'est bon. Alors, on a qui dans la course? Pas grand monde que je connais. Avec que des Espagnols et des Allemands, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Allez, on est parti pour cette catastrophe à venir.
Oh, le mec derrière il était beaucoup plus rapide, ça va rien que. Je le laisse derrière, il m'aurait fait chier après. Parce qu'il m'aurait rattrapé, il m'aurait sans doute fait chier. Ça va être chaud. Perdre du temps sur les gars de devant, donc je sais qu'ils sont plus rapides que moi. Le gars de derrière il me revient sur moi, c'est donc qu'il est plus rapide que moi aussi. Je suis quasiment au meilleur niveau que je peux sortir, hein. 48,5. Hein. C'est quasiment le max que je peux faire. Hein. J'ai même pas vu mes intermédiaires. Fais attention. Je pense que je suis plus lent que sur mon meilleur tour. J'ai raté le début du tour, donc je pense que je suis plus lent. Je suis beaucoup plus lent. Ça va pas faire grand chose, mais j'étais plus lent quand même. Ça sent le départ milieu de tableau quand même. Mais on va faire milieu plus vers la fin quand même. Donc. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, espérer jouer régulier et on va voir ce que ça donne. Hein.
Bon, bah, dixième. Hein. Dixième, dixième. Y en a, ils ont pas l'air d'avoir fait de chrono, bizarrement. Ils sont trois à pas avoir fait de chrono. Ça va être compliqué de savoir quel niveau ils sont. Est-ce que j'ai bien les pneus moyens? J'ai bien les pneus moyens. On va partir avec les pneus moyens. J'espère que l'essence, ça va au bout. D'ailleurs, on est en arrêt au stand d'affaires, mais si on peut éviter de mettre de l'essence, c'est bien. Si on a que les pneus à changer, c'est pas mal. On part dixième. Hein. Donc voilà. Je suis loin du premier. Il me met plus de 2 secondes autour. Injouable. Injouable. On est sur une course qui va durer pas loin d'une demi-heure, je crois. Le 16 tours, hein, ça va être quand même globalement assez long. Je pense qu'on est pas loin d'une demi-heure de course. Ça la tue de temps, on la voit pas souvent. La FT1 on la voit pas souvent. D'ailleurs, on en voit un peu plus souvent. Porsche 911 aussi. Il y a beaucoup de Porsche 911. Volkswagen Beetle. Mercedes AMG. L'AMG elle est rapide. Et d'habitude, on voit plus souvent celle-là. Je viens à Toyota. Mitsubishi, lancerez-vous. Alfa Romeo. Il n'y a pas beaucoup d'Alfa Romeo. Oh, la Mazda RX Vision aussi. Sacré bagnole. Lexus, pareil, on n'en voit pas souvent. Le bâtard! Putain! M'a foutu dehors! Ah, je suis vert, quoi. Ah, il m'a écarté, quoi. Je suis dégoûté. Ah, mais déjà qu'on aurait fait une course de merde. Ça lui a pas plu que je le double à l'extérieur. Le mec, il m'a écarté, quoi. Ah, je suis dégoûté.
Quel bâtard avec sa Mercedes là. Je te jure. Je suis dégoûté là. J'ai pas trop mal parti en plus. Et maintenant faut cravacher pour essayer de remonter. Fait chier, hein, putain. Si là tu mettais pas dehors, on était pas mal. Putain, je l'ai sauvé, je sais pas comment. Tu... On est revenu sur un gros peloton. Le plus dur, ce sera de doubler après. Ah, ma faute. Ah, dommage.
Allez, je suis en train de remonter. Putain, c'est laborieux. Normalement, je devrais être devant tout ce groupe-là, quoi. C'est ça qui me rend fou, en fait. Il y en a qui jouent salement. C'est insupportable. Allez, une place de gagner. Il est pas agréable ce circuit, vraiment. Je sais pas si c'est pas le pire circuit de Gran Turismo 7. J'ai vu que non, avant ils sont presque morts aussi. Je pense que c'est le dernier tour qu'on fait. Un peu tard.
Il faut que j'aille au stand, mais nous sommes morts. Je prends trop de risques si je vais pas au stand maintenant. Mec, ils ont oublié qu'il y avait une chigane à l'entrée des stands et qu'il fallait freiner. Y'en a qui étaient partis en pneu dur quoi. Ils vont revenir fort du coup avec les pneus moyens. La différence pneu moyen, pneu dur, je pense qu'elle est énorme. Sur un tour, je pense qu'elle est énorme. Ceux qui sont plus moyens derrière, ils vont passer, je pense. Je les retiendrai pas longtemps. Putain, mais c'est pas vrai. Hein. Mais j'en peux plus des mecs qui te poussent là. Vraiment. Hein. C'est insupportable. Hein. À un moment, les mecs sont débiles, quoi. Il est en pneu moyen, je suis en pneu dur. Il sait très bien qu'il va passer. Faut qu'il te pousse. Vraiment, pas de pitié.
Ça m'énerve parce que c'est pas des courses qui se jouent qu'au niveau pur quoi. Faut aussi avoir de la chance de pas tomber sur un abruti qui te fout dehors. Et c'est ça qui m'énerve. Déjà, je sais pas qui c'est qui m'a mis dehors au premier tour, mais c'est un abruti. Pour commencer. Ça part de là déjà. Putain, mais... Ils le font exprès, hein. Ils le font exprès d'ouvrir les trajectoires comme ça, hein. Le mec, il ouvre la trajectoire dans le virage pour que tu finisses dehors, quoi. Moi, ça me rend fou, hein. Là, si tu me dis qu'il est dans sa trage, j'y crois pas du tout, hein. Alors, il a des trages bizarres, hein. Tellement de niveaux différents sur cette course. C'est hallucinant les différents, les écarts qu'il y a. Il y a des écarts de ouf entre les pilotes. Hein. Thank you.
Trop tard. Oh, un abruti. C'est l'objectif qui me reste, c'est d'essayer de garder à la 11e place si je fais des conneries. Début du 14e tour, c'est dur. Belle course de merde. Là, je suis ravi que je suis pas le seul à faire des conneries. Le gars que j'ai doublé, il s'est foutu dehors tout seul. Ou alors on l'a aidé. En tout cas, il était dehors. Me l'a revenu à la 10e place, qui était ma place de départ. Merde. Je suis débile. Là, je vais donner la place, hein, clairement. J'en ai marre, quoi. Eh ben, c'est une belle course de merde. Je déteste le circuit, vraiment, j'y arrive pas. Le vrai problème que j'ai, c'est le circuit. J'arrive pas du tout, ce circuit. J'ai aucun rythme sur ce circuit. Il va nous rester un tour à la fin de celui-là. Donc les premiers doivent être déjà dans le dernier tour. Et j'ai 51 secondes de retard. Effectivement. Ça fait... Ça fait 4 secondes de tour, à peu près. En moyenne. Pardon. Là, ça veut dire que je prends 4 secondes de tour en gros. Vraiment, j'ai aucun rythme.
Normalement, le pire circuit Autopolis. Hein. Je peux pas, vraiment, Autopolis, je peux pas du tout. Hein. Je supporte pas ce circuit. J'y prends aucun plaisir à piloter sur Autopolis. Bon, demain, on se retrouve à 14h sur Biomutant. Voilà, on va continuer Biomutant. Sauf si je change d'idée entre temps, mais normalement, on part sur Biomutant. À 17h, on va sur Forza Horizon pour la nouvelle saison. Ce sera ça le programme pour demain. Et pour les autres jours, après, on verra, on en reparlera demain. 52 secondes. Alors, les deux premiers sont sur une autre planète. Après, il y a le 3, 4, 5, 6, ils sont sur une autre planète. Non mais vraiment je... Aucun rythme. Aucun rythme. L'autre avec la Mercedes, je crois qu'il m'a foutu dehors. Il a même pas fini la course. Je crois que c'est lui qui me fout dehors. On va regarder sur le replay, mais... Je crois que c'est lui qui me fout dehors. Vraiment pas une super course, hein, clairement pas. On a fait vraiment... Vraiment une course de merde. Je vais pas la refaire parce que je ferai pas mieux. De toute manière, vraiment, je... Autopolis, j'aime pas du tout. Ah, puis la Nations Cup, ça va être avec la Red Bull, ça va être pire encore. Ça va être l'enfer. Là, cette dernière semaine de compétition, c'est l'enfer. C'est les pires trucs possibles, hein, pour moi. Pire circuit, après, c'est pire voiture. On va regarder, je vais voir c'est qui m'a mis dehors. Je sais dans quel virage c'est, donc on va vite retrouver. Ah, c'est bien la Mercedes. Ah, le Rad. Ah, comment il me sert ce bâtard. C'est insupportable. Ah, de bien le coup de volant. Parce que là, il peut rester à l'intérieur. Il fait bien exprès d'ouvrir. Et moi, comme ça, je pars en travers. Vraiment. Je te jure quoi. Supportable. Ça pour se rater ici. Vraiment un guignol. Et là il a abandonné. Voilà. Le mec il m'a foutu dehors, il a abandonné juste derrière. Vraiment, je te jure. C'est vraiment des conneries. Bon bref, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 14h. Merci à tous et puis à bientôt. Allez, à plus les gens.